Et bien, suite du PBEM Sakhaline ou Karafuto, où je joue le Japon. 12e tour, et regardez ce qu'on m'annonce. On a détecté un gobelin. Ah, alors, ça, c'est cool. On va aller voir ça. Alors, je ne sais pas où il est, ce gobelin. C'est peut-être un. Ah, c'est peut-être ça. Hein. 2572, c'est lui. C'est une baleine. C'est une baleine. Mais par contre, on est vachement près de sa flotte, là. Hein. Oh là là, heureusement qu'il y a cette baleine, dis donc. Heureusement qu'il y a cette baleine, parce que. Alors là, la baleine, elle nous sert d'alibi, tu vois ce que je veux dire. Ils ont peut-être eu des signaux, ils se sont dit, hop, et puis ils voient que c'est une baleine. Alors par contre, mes frappes, que dalle, quoi. À nouveau, ça a raté, quoi. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ça. Et ouais, lui, il a plus rien, il a tout tiré. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. PDA, no damage. Medium damage. Medium damage. BDS, je sais pas ce que ça veut dire. No damage. Oh non, c'est pas possible, quoi. Et là, ils ont tout tiré et on n'a rien eu. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, on va essayer de voir dans le log s'il y a quelque chose, mais bon, on voit jamais rien. Alors, oh, c'est pas possible, quoi. Tour 11, Japon. Donc là, il est 5 heures. Donc, il a joué de 4h30 à 5 heures. Nous contacte. Il n'y a pas mes missiles, il n'y a jamais mes missiles, quoi. Oh putain, c'est quoi ça? C'est mon sous-marin, ça c'est mon sous-marin, ça. Non? Et c'est lui. C'est lui. Il a plus de batterie. Donc il est à moins 66 et il est en train de recharger, quoi. Donc on le met sur creep, je crois que c'est là qu'il recharge le plus vite. Et lui par contre, ouais, il a encore de la batterie, heureusement. Alors continuons à lire le log. C'était ça. New contact vampire, vampire has lost, new contact vampire et switch side. On ne sait pas ce qui était devenu de nos missiles. Hein. Ouh là là. Shiran. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir les. Dans le Shiran. Oh putain, le scoring, il doit être aux abois là. Minor défaite. Aircraft, ship destroyed. À 88. C'était le tour d'avant. Oh putain. Atakaze, Kongo, Shiran. Et lui, il n'y a que le Sovremeni. J'arrive pas à les avoir. J'ai encore fait une frappe, encore une frappe ratée, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible ce truc-là. C'est pas possible. Oh putain. Alors, comment on va faire là? Comment on va s'y prendre? On a le sous-marin. Lui. Mais attends, il a plus rien pour tirer, de toute façon. Oh là là, quelle catastrophe. Là-haut,
Ah putain, mais attends, c'est pareil. Ah, le LST, il est là. Putain, mais c'est pas prêt. Le chien. Oh là là. Regarde ça, ça arrive encore de là-bas. Mais combien il en a des missiles? C'est pas possible, quoi. Combien il en a des missiles? C'est là qu'on s'est fait dégommer. Alors le. Je sais pas où il était ce bateau qu'on a perdu. Il n'y a rien là dans le log, j'ai rien quoi. Oh putain, là je suis. Là c'est le dépôt de bilan, les mecs. Hein. Là, c'est le dépôt de bilan. Hein. Il a tiré ses AM2. J'aurais dû attendre. Putain, j'aurais dû attendre. Faire ça pendant mon tour. Alors, est-ce qu'on a un AEW qui est en l'air là? Parce qu'il nous en a dégommé un E2 là, E2C. Ouais, ben on en a redécollé un nouveau, quoi. C'est lui. Alors là, on est mal. Mais là, on est très très mal. C'est le Slava. Je veux le Slava. Il reste combien à avancer là? Il reste 10 nautique miles à avancer pour l'avoir dans le range. 10 petits nautique miles. Il a la barre à 9 degrés, et il fallait du 15 nœuds. Donc il faudra aller le choper là-bas, quoi. On va accélérer un peu, hein. Il croyait que c'était une baleine. Là, il a cru, il a dû choper la baleine. Il se casse son hélico. Là, on est à moins 919. Donc on va avancer à cruise. Ah putain, pas sur le waypoint à nouveau. À cruise. 8 nœuds. Cavitation impossible. Full. 10 nœuds. Cavitation. Avoid cavitation, mais cavitation impossible. Est-ce qu'on remonte un peu ou on reste bien planqué au fond comme ça? La baleine, tu vois, elle était à moins 131. Non, parce qu'il m'a dit sur le chat qu'il avait vu une baleine. Il a dit, putain, qu'il était sûr que c'était mon sous-marin, mais il a dit, bon, en fait, c'était une baleine. Donc il a vu ça avec son hélico. Et il y avait bien une baleine, quoi. Et on est juste à côté, quoi. Oh putain. Ah, c'est trop fort, ça. Putain, mais on est à moins 919, tu vois. Si j'avais été donc à moins 131, il m'aurait certainement repéré avec ses bouées ou je sais pas quoi, ce qu'il balance, quoi. Oh putain. Énorme. Et puis là, il se casse, quoi. C'est parfait ça. Ah ça me plaît ça. Ça me plaît. Donc comment on fait pour. Est-ce qu'il va garder ce même cap? Ouais, bah écoute, nous on avance. On avance. On a demandé 10 nœuds. Donc dans une demi-heure, on fait 5 nœuds. D'ici la fin de tour. Hein. Donc 5 nœuds, on sera par là. Voilà. Et donc 5 nœuds. On n'est pas dans le range. Hein. On sera à peu près là, vers le waypoint, là, un peu avant le waypoint. Et lui, il vient à 15 nœuds. Donc lui, il sera à 7. Eh putain. On sera à 2 doigts de le toucher, quoi. On sera à 2 doigts, mais ça va pas suffire, quoi. Tra là 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 là. La catastrophe. Et là-haut, on arrive, il y a de ça, il y a des batteries, on se prend des missiles, mais partout sur la gueule. Transporte. Donc lui le LST c'est un truc, ça c'est les avis des trucs qu'il faut absolument protéger quoi, absolument les protéger. Et ils ont rien anti-air, ils ont rien en anti-air. Hein.
Bon, ben, on va continuer. Lui a 32 nœuds, il va les rattraper, il va les doubler. On va continuer comme ça, hein. Il faut aller se poser là-bas, quoi. Bon, alors faisons le tour des bases. Chitose. Bah, ils ont décollé. Il y avait des AIM-7. Ah. On a deux F2. Alors, il faut relancer une frappe. Hein. Est-ce qu'on attend? Non, parce que là, il y a 5 heures, 2 heures. Donc, dans 2 heures et demie et dans 6 heures. Et là, dans 2 heures et demie, on a 4. Et là, on peut envoyer 4 missiles maintenant. C'est ce qu'on va faire. Hein. C'est ce qu'on va faire. Là, il n'y a plus rien, c'est dead. Oh là 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 là. Et il y a ici 47 secondes. Eh bien, on peut refaire une frappe. Ils sont montés en heavy en plus. 4 SM2 chacun. 5, 6 fois 4, 24. Oh yo yo yo, je reprends espoir. Allez. Par contre, ils sont loin. Hein. 350, 400 miles. 400 miles. Range and profile. 459 strike radius. High low high. Donc il faut aller en altitude. Alors on va ressortir notre vieille mission Rally Point. Alors elle est où? Rally Point. Rally. Il n'y a personne et il est où le... Ah, il faut que je remette. J'avais enlevé ça. Mission. Selected mission. Voilà où elle est. Alors là, ce qu'on va envoyer, c'est de la SM2. Donc c'est 75 miles, hein. 75 miles. Donc, on part du Slava à peu près. 75, ça nous donne là, ici. Donc toi, tu vas venir en dessous, ici. Voilà. Donc, ils sont prêts dans 47 secondes. Hein. Donc, c'est bon. Donc, on fait launch as group. Et on les affecte à rallye. Putain, ça recommence quoi. On va vérifier un au hasard. Ouais, vous voyez pas, ça m'a encore mis le message, tu sais, conflit avec le. Ignore petite course, non. Bon bah c'est bon. Donc eux, ils partent sur rallye. Et voilà. Alors la mission rallye, il faut bien vérifier la transit altitude 36 000. Même plus haut. Hein. Non, 36, c'est bon, c'est la bande 4. Station altitude. Alors par contre, on va vérifier pour les ASM2. Je vérifie à chaque fois parce que je me souviens pas entre-temps. De 200 à 35 000. Donc la station altitude, on va redescendre à 25 000. Station 25 000. D'ailleurs là on va pas mettre 36, on va mettre 35. Comme ça je suis sûr qu'il est pas il va jamais dans la zone. Et là cruise, ouais, parce que là on va hyper loin, hein. Donc station, on va mettre même loiter, voilà. Bon, alors là c'est bon. Et ici, on en a deux encore. Donc les deux vont partir sur. Alors est-ce qu'ils vont aller sur rallye, eux? Eux, ils partent d'ici.
Ouais, ils peuvent aller à rallye pareil, hein. Eux aussi ils peuvent aller sur la mission rallye. Et on les met en groupe. Ouh, ouais, rallye, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on part, et une fois qu'ils sont là-haut, c'est-à-dire à la fin de tour, on donne les ordres, et une fois de plus, on va pas voir nos missiles, quoi. Et lui, il a son ordre. Et par contre, donc des missiles, des choses, tu tires sur le Variag. Donc là, les types 89, type 89, 2. Pourquoi il en a deux d'alloués? Ah, parce qu'il en a pris pour tout le monde, là, je pense. Je pense qu'il en a pour les trois. Non, lui, il en a pas. Oudaloy, Variag 2. Oudaloy, non. Et l'amiral Vinogradov, il en a deux. Bon, il faut tirer sur tout le monde, là, parce qu'on en a un paquet. On en a 16. 10. Cannot fire, not on magazine. Ah là, attention, attention, et là il y a un anguille sous roche là. Non, ceux-là ils peuvent tirer. Ceux-là ils peuvent tirer. Ceux-là ils peuvent tirer. Ceux-là, à mon avis, ils peuvent pas. Il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier s'ils sont dans les tubes. Torpedo, ouais, c'est bon. Alors, une autre priority, on va mettre les torpedos. No reload. Ah bon, il n'y a pas de reload. Comment ça, il n'y a pas de reload? You have set reload priority for weapon with no reloads available. Et je sais pas. Je sais pas trop là. Ça a l'air bon là. Ouais, c'est parce que j'enlevais la case et comme il n'y a plus de harpoon, bon, c'est un peu pas clair parce que c'est quand j'enlève la case, si j'enlève la case, ça met you have set reload priority. Non, je l'ai pas, je l'ai pas, j'ai pas set reload, j'ai enlevé, j'ai pas, tu vois. Non, ça m'énerve les petits détails comme ça, quoi. Voilà, quand je le mets là, c'est normal, mais quand je l'enlève, pourquoi il me met le message, tu vois? Ça, c'est un bug, ça. Il ne devrait pas me mettre le message quand j'enlève la case. Quand je coche, oui, mais pas quand je décoche. 1, 2, 3, 4. On a 4 tubes. Donc c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Il me disait 4 et... Ah non, 6. Ouais, je sais pas. Toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait faire là. Alors... Et putain, il y a ces missiles qui arrivent là-bas. Alors lui, par contre, il faut qu'il se casse. Hein. Lui, c'est Cassos, mais alors, flanque. Tu retournes là-bas. Flanque. Parce que là, tu as des missiles qui t'arrivent dessus. Bon, ben je crois que j'ai pas mieux à faire. Hein. Le plus important, c'est d'avoir les frappes qui partent. Donc là, on a un, ouais, 200, 300 miles. Donc s'il va y arriver pendant le tour, bon, on verra en fin de tour les ordres, on les donnera en fin de tour. Et lui, je l'ai mis à 10 nœuds. Je peux le mettre à 20 nœuds d'ailleurs. Putain, j'ai presque envie de faire ça, quoi. Allez, tu fonces. Il n'y a pas de cavitation, cavitation impossible.
il va pas le détecter plus. On est à moins 900, on est à moins 919. Allez, on y va, fond les ballons, on tire les torpilles et on se casse. Alors, est-ce qu'il a bien mis des... Il a bien, on a bien loadé une torpille. Deux pour lui et deux pour lui. 6. Ah, pourquoi j'en mets pas plus d'ailleurs? Ouais, voilà. 4 ici. Et là, on va rajouter 2. 3 fois 4, 12. Normalement, on est bon là. 2. Alors lui, il a mis les 4 sur une seule ligne. Et lui, il m'a mis deux lignes là. 2 et 2. Et là aussi, ah, attention, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. J'en veux 4 sur le Variag, moi. Et je préfère avoir 4. Je vais en mettre 4 d'un coup. 4, voilà. Et là, on va en mettre 4. Et là, il a 4 et 2. Alors, je sais pas si on peut. 3 fois 4, 12. Non, parce que normalement, c'est le ça dépend du... Eh bien non, 4. 4, 4. 4 fois 3, 12. Alors là, ça va être chaud dans l'eau. Hein. D'ailleurs, si on a 16, on pourra en mettre 5. Non, autant garder encore une salle de 4. Allez, on y va comme ça. Hein. Oh putain, ça va être intéressant, ça. Il faut qu'on arrive dans le range, quoi. C'est ça le problème. Qui est-ce qui les détecte? Ouais, c'est EAW. Putain, là, il y avait un gobelin. Ouais, mais c'était la baleine. C'était la baleine. Et toi, tu recharges ta batterie, alors. Putain. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Ça, par contre, je peux l'allonger, la mission. Parce que si jamais ils arrivaient au bout, je veux pas qu'ils fassent demi-tour, quoi, comme ils avaient fait la première fois. Donc, ils continuent par là, tant qu'ils n'ont pas tiré. Et quand ils seront en l'air, à la fin du tour, je leur donnerai l'ordre de tir, et normalement, c'est bon. Et on les laisse sur rallye. D'ailleurs, la mission rallye, petite chose à faire sur la mission rallye. Single aircraft, single loop. Single loop, pas continuous loop, single loop. Parce qu'une fois qu'ils ont tiré leur truc, ils se cassent, quoi. Bon. Il est bien ce scénario, mais là je suis tombé sur un fortiche. Hein. Là je suis tombé sur un champion, parce qu'il me fait souffrir. Hein. Allez, on va mettre à x5. C'est parti. C'est là que ça se passe. Est-ce qu'il va prendre mes 20 nœuds? Oui, il les prend, les 20 nœuds. On est à moins 919. Et les missiles, là, ils vont où? Ils vont sur la Zagiri. Ils vont sur la Zagiri, ici. Il n'y a rien d'autre. Hein. Lui, il est en surface. Enfin, il est à moins 66. Mais il en a combien des missiles comme ça? Vampire. Classified. Guided weapon. Ok. Oh putain. Ouais non. Ah ouais, il m'arrive tout droit dessus. Et qu'est-ce que t'as en défense aérienne? T'as rien, regarde ça, il le range là pour la défense anti-aérienne. Il lui reste quoi? Il va se défendre avec quoi? Des pétards mouillés? Oh putain, aïe aïe aïe, attention, on va se passer à x1. Oh non, putain. Oh là là, c'est décimé, ma flotte est décimée. Là, le premier, on va le rater, on l'aura jamais. Allez, tire, bon Dieu, tire. Allez, tire. Oh, c'est pas possible, quoi. Défends-toi, mon pote. Non, non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. On va se faire manger des deux missiles.
Oh, c'est pas possible. Allez, tire au canon, il y va. Oh, il l'a eu! Allez, le deuxième! Allez! Oh, on l'a eu. Oh, la frayeur. Pause. Oh, la frayeur. Oh, la grosse frayeur. Oh, le SSN19 a mal fonctionné. Oh, putain, on a le cul bordé de nouilles, là. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, ça. Défense jammer. Defensive jammer is attempting to spoof sensor. Decoy, failure. Decoy, failure. AA gun. C'est avec ça qu'on tirait. 76 mm. Compact high explosive burst. Four rounds. Miss. Hit. C'est celui-là. On lui en a dégommé un avec ça. Voilà, il est là. Là, on a eu le. On l'a eu. Et le deuxième, il n'a pas fonctionné. Oh putain! Oh putain! Oh là là! Alors ça, c'est énorme. Énorme. Allez, on repart. Allons voir notre sous-marin là. Qui est à fond les ballons là-bas, à fond les man. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, ça part d'où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais remettre à 5 fois. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, putain, ça arrive aussi là encore. Ben, à ce coup-ci, on est mort. Ouais, il a tiré depuis son bateau. Oh non, c'est pas vrai, quoi. Je vais remettre à x1. Ah non, parce que ce coup-ci, on va pas y échapper, quoi. C'est parti du Slava, à tous les coups. Enfin, qui s'appelle le Variag. Allez, tire, putain, tire avec ton canon, tout ce que tu peux, je sais pas, mais tire, fais quelque chose. Ah non, mais là, c'est la fin, là. Guided weapon, derrière rien. Allez, allez, putain, mais défends-toi, mon pote. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, putain, allez, oh, ils nous ont. Allez, ils tirent, allez, tire, 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 tire. Oui! Oui, allez, le deuxième maintenant. Le deuxième. Deuxième. Allez, non. Oh putain. On est dead. Oh, l'épopée du Hazagiri. Quelle épopée. Oh la poisse. Oh la poisse. Putain, ça nous coûte encore 45 pions, ce truc-là. Moins 95. À moins 155. Et là, moins 155 à moins 205. Ouais, non, mais là, c'est la fessée, là. Là, c'est la fessée, là. Oh, la poisse. Il n'y a plus que le sous-marin. Il n'y a plus que le sous-marin. Et la frappe. Mais... Ah, attends, est-ce qu'ils ont décollé, d'ailleurs, en parlant de frappe? Ouais, ils sont là. Ils sont là. 6. On va se mettre à 5 fois. Allez, là, il est à fond à 20 nœuds, à moins 919. Lui, il va pas l'avoir. L'amiral Vinogradov, il va pas l'avoir. Parce qu'il s'en va à 20 nœuds par là-bas. Lui, il va à la même vitesse par là-bas. Donc, le temps qu'on le rattrape, il va être là. Donc, il va. Là, et puis, il va. Il en arrive en bout de course. En plus, on a une trajectoire légèrement basse. Ça fait rien. Ce qu'on veut, c'est d'abord le Variag. Par contre, il avait 5, il avait 4 torpilles à louer. Et son hélico, il part aux fraises. C'est cool, ça. Ah, on a une zone. D'un seul coup, on perd la précision. Pourquoi ça? EAW, il est où EAW? Ah non, il faut pas qu'il me fasse un sale coup là, l'EAW, il est là. Non, on est toujours bon là. Allez, allez, allez. Putain, la mise plage, il est en train de me mettre la fessée là. Oh putain. Et lui, on va pas l'avoir, hein. On va pas l'avoir.
Reste 15 minutes. Sept nœuds, 19, 18. L'amiral vit, c'est un Oudaloy, l'amiral Vinogradov. On l'aura pas. Lui, il s'échappe. Par contre, le Variag, on va l'avoir. On va pouvoir lui tirer nos quatre torpilles. On va lui décocher nos quatre torpilles. Alors après, est-ce qu'il va pouvoir se. Est-ce qu'il va s'en réchapper? J'en sais rien. Lui, il a medium damage. Et lui aussi medium damage. Il émet, hein. Il a tous ses radars en l'air. Hein. Allez, là on va pas tarder à tirer là. 14-22, on a 8 minutes encore pour y arriver. On y va là, on y est là. Oh putain, il est où? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, il est là, il est là. On avait la précision, il est là. Il est là, il est bord du. Là, il est là, voilà. Là, on sait qu'il est là. Allez, tire tes 4 torpilles, mon gars. Tire tes 4. Là, on est idéal, là. Putain, franchement, c'est idéal. Ça, c'est une interception de chef. 919, j'espère que c'est pas un problème, mais on a vérifié, il peut tirer à moins de 919. C'est parti. Comment ça, moins 33 feet? Comment la torpille peut être à moins 33 feet? Bah, elle est remontée rapidement. Hein. De 919, elle est passée à 33 tout de suite là. Hein. Et tant mieux, parce que j'avais peur qu'elle reste à 919. 3 minutes, il reste. On va pas le voir, ça sera pendant son tour. Là, je pense qu'il nous a détectés là. En tout cas, les torpilles, il les a détectés. 28, non, on va pas voir l'impact. Oh, les boules. Là, c'est la panique à bord, là. Il se casse, là. Il regarde ça. Il accélère. Il accélère. Nous, on est à 55 nœuds avec les torpilles. Là, on va pas voir. Ça va s'arrêter, là. On va pas voir l'impact. Ah, là, les boules. Bon, ben, les ordres, il n'y a que. Alors lui, c'est qui? Ah, SM2! Mais t'as pas tiré encore? Il reste un ASM2 là. Deux ASM2! Mais pourquoi ils ont pas tiré? Alors sur qui on les envoie? Slava, il a 4 torpilles. Il n'en a que 2. Pourquoi il en a que 2? Parce qu'on a que 2. On peut peut-être tirer que 2 tubes à la fois comme ça. Après, j'en sais rien. Donc, eux, ils en ont. Putain, 4 ASM2. Alors, Vinogradov, parce que et pourquoi on peut pas tirer sur le Vinogradov? Ah, il est en dehors du range. Oh, les boules. Bon, bah tant pis. Hein. On va prendre. Alors, le Variag, lui, c'est sûr. On lui en met deux. Et le Oudaloy, on va lui en mettre deux aussi. Ça fait combien déjà les DP de ces trucs? C'est pas terrible, je crois. 270, non? 225.
Donc lui, il en a deux. Et on va en mettre deux ici. Et pourquoi quatre? Pourquoi quatre? Ils en ont deux à SM2 chacun. Donc ça en fait 4 en tout. Donc toi, tu en as deux. Tu les tires sur le haut d'Aloy. Toi, tu en as deux. Tu les tires. Voilà, tu les tires sur le Variag. Donc toi, tu as tiré. Mais pourquoi là, il y a encore ça là? Putain. 5. Non, franchement, tu vois, c'est pas normal ça. C'est tout buggé, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Ils en ont deux, donc on devrait pouvoir en tirer que deux. Deux. Donc là, le Variag 2. Vinogradov, il n'est pas dans le range. Et lui. Et tu vois, Vinogradov, il n'est pas là. Le 2, on peut en tirer deux. Alors. Le premier, il en a loué deux ici. Le deuxième, il en a loué deux. C'est bon ou c'est pas bon là? Lui, il en a deux sur celui-là. 0, 0, 2. Ok. Lui, il en a 0, 0 et 2 sur le Variag. Et lui, c'est sur le Oudaloy. Et toi, c'est sur le Variag. Allez, c'est bon comme ça. Et là. Donc eux, ils sont toujours sur la mission rallye. Donc ils vont aller là. Et eux, pareil, on va leur faire une petite frappe ou net. Alors. Là, ils en ont 4 chacun. 4. Donc. Tu envoies sur Vinogradov 4. Toi, tu envoies sur le Oudaloy 4. Toi, tu envoies sur le Variag 4. Toi, tu envoies sur le Vinogradov 4. Toi, tu envoies sur le 4. Toi, tu envoies sur le Variag 4. Alors, le Variag, lui, il envoie 4 sur le Variag, et lui, 4 sur le Variag. Voilà. Ben, c'est bon, là. Allez. Là, on devrait le tuer, là, putain, entre les torpilles. Les deux torpilles. En plus, il y a d'autres torpilles qui devraient repartir, hein. Alors pourquoi il a pas cette... pourquoi il a pas lâché plus de torpilles, lui? Regarde, 6. Ah, putain. Oh putain. Allez. On envoie encore 4 sur le Variag. Et on va rajouter lui là. Lui, on le rajoute à la liste des victimes potentielles. Le Oudaloy est là. 4 et 4, 8. On magazine, out of range. Oui, mais c'est ça. 5, pas 5, 4. Donc 4, alloué 4, tiré 4. Fired fort, alloué fort. Et là, sur lui, tu as alloué 4.
6. Bon, on a tout mis là, je pense, hein. 6 et 8. Et 6, ça fait pas 12, hein. 6 et 8. Putain, je comprends rien. C'est pas clair, quoi. C'est pas clair, quoi. 6. Il devrait les enlever. Il devrait dire, il en reste tant. Là, on voit ce qu'il a loué. Et là, il devrait y avoir ce qui reste. Mais toi, j'en ai alloué 8. Alors évidemment, il y en a qui ont été tirés, il y en a qui sont encore pas tirés, mais elles sont allouées, donc elles sont plus disponibles. Je sais pas quoi. On va recommencer. Non, lui, ils sont fired, donc c'est bon. Alloué 4. Bah, c'est bon ça. On a 4 de tirés, 4 d'alloués, ça fait 8. Et là, je sais pas ce que je peux mettre. Il est pas dans le range, donc. Oui, parce que forcément, il est, tu vois, il est pas, lui, il n'est pas encore dans le range. Mais il faut les allouer à l'avance. Là, j'en mets 4, on verra bien. Il tirera bien ce qu'il pourra. Hein. Allez, je revérifie que là, c'est bon. C'est ça qui est important. Comment va la batterie de notre ami? Ça se recharge? Bon. Donc, eux, ils tirent. Et eux, ils arrivent pour remettre une couche derrière. Allez, c'est parti. Bon, allez, merci d'avoir suivi. À la suite. Chaque fois, je dis que c'est le dernier espoir, mais là, je crois que on y est là. Allez, à bientôt.